Bon, pour affaire de médicaments d'épines, là, moi, je suis plus dedans. Mon fournisseur a failli me créer un problème. C'est pas si dosage, là, il a raté. On a vendu un médicament, là, à un de mes gars, là. Voilà, ses testicules, là, ont commencé à grossir en bas de lui, comme ça, on dirait ñam. C'était chaud, hein. Donc, depuis là, ah, mon cher, il vend plus de médicaments d'épines. Il vend œufs, maintenant. Bon, bro, ce qu'ils sont en train de te dire là, c'est la vérité. Toi-même, tu sais que je vendais médicaments d'épines un moment fort fort. Mais si tu vois que j'ai arrêté, je fais plus publication de ça là. Problème qui m'a raté là, il est allé à la maca, cadeau comme ça. Mon gars là m'a dit, il veut médicaments d'épines. Il a trouvé, lui a donné. Il sait pas si mon fournisseur, il a raté dosage là. Mais photo que mon gars là m'a envoyé, il dit, ces testicules là sont devenus gros comme ça, on dirait boson. Lourd comme ça. Il m'envoie un message, il me menace que moi j'ai gâté sa vie. Regarde comment ces testicules sont en train de grossir en bas de lui. Il dit, tu vois, testicules là, même on dirait mangue. J'ai souffert. Hein. Donc actuellement, ils sont en train de me concentrer. Je vends œufs, un peu, un plateau d'œufs, tranquille. Je livre, c'est fini. Bon, pour affaire de Mais médicaments. moi, t'es banni du syndicat. Tu m'énerves que tu fais ça. Femme, là, c'était toujours gamme de Dieu. La preuve, on est que même Jésus n'a jamais marché, femme. Ses disciples, là, il n'y a pas femme dedans. C'était pour éviter les trucs du genre, Seigneur, il n'est pas l'un des transports par là à Golgotha et vous. Il n'est pas l'un des transports par là à Galilée. C'est à cause de ça, Jésus n'a jamais mis disciples, femme. Il marchait seulement avec des hommes. Et puis, il est mort, bac, poté. Quitter les sangs, Pedro, à Golgotha. La femme pouvait faire ça. Yamso croit à Golgotha, à Galilée. Femme pouvait faire ça. C'est comme oh Abraham, c'est comme c'est Matthieu, c'est Moïse qui m'a donné ton numéro. Tu es en esprit, hein. Je veux savoir comment ton mouton a fait pour accoucher à 99 ans. Parce que moi, il y a une maîtresse ici, hein. Elle a 79 ans, un peu plus enfant, tu vois. Donc, elle a donné ton numéro. Donc, moi, j'ai écrit à Jacob et puis il m'a donné ton numéro, tu vois. Moi-même, pour entrer en contact avec toi, c'était dur. Hein. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, il y a ton numéro. Donc, vous sentez d'à côté de Sarah, voilà, elle va dire comment elle a fait pour accoucher à 99 ans. Tu vois, là, il y a condamné à ma tante. Puis ma tante a trop besoin d'enfants, toi tu connais. Aïe. Sarah, mais elle a fait Isaac à quel âge? Tu vois, vous sentez bien ensemble, tu connais cette famille, c'est même famille de condamné. C'est l'Ancien Testament ensemble. Salut Franck, pourquoi t'as quitté le groupe brusquement comme ça? Tu m'étonnes, hein? Vos groupes là, il y a des PD dedans, hein? Y a des PD qui sont dedans. Mais moi, les trucs comme ça, là, moi, je joue pas ça. Votre anus, on dirait lavabo là, il y a mettre sel dedans. Hein, Javel? Bande de cons comme ça. Toi, tu as me dit que moi, ma voix est sexy. Ma voix portée spéciale ou bien ça portée maillot de bain, que c'est sexy. Chien comme ça là. Attends, calme-toi. C'est pas moi qui ai dit ça, Aubert. C'est un qui fait chaud au Mali, hein. Mali. Au Mali. Eri, je me rappelle 2012-2013 quand il s'est battu au Mali. Champion, tellement il fait chaud au Mali, non? Un jour dans le ciel, il y avait trois soleils. 72 degrés à l'ombre. Eri, non, il fait chaud au Mali, il fait chaud, non. Faut croire. Eh, champion, on a appris, c'est mieux, hein. Moi, j'ai dormi. Bon, c'était pour juste te saluer. Parce que ça arrive un manque de respect. Vous n'êtes pas concentré, je suis tout le temps obligé de faire des notes vocales pour vous donner des conseils. Quand vous demandez le bac à Dieu, là, précisez l'année. Quand tu demandes le bac à Dieu, précise l'année. Quand tu ne précises pas l'année, là, lui, là, tout son temps, il peut te donner le bac en 2060, en 2099. Ah, Seigneur, je vais avoir le bac en 2022, va te donner le bac. Mais toi, tu es là, Seigneur, donne-moi le bac. Tu crois qu'il va s'élever comme ça et puis il va te donner. Lui, là, tout son temps. Ou bien toi tu es composé où tous tes testicules ont mûri là. Tes testicules sont devenus grosses, on dirait que tu as une île là. On dirait qu'ils ont pompé à croire que même là, c'est en train de devenir montgolfière. C'est là que toi tu es passé bas. Tiens, on doit tout vous dire. Tu en es petite. Criso, hier je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Je t'ai dit de dire à la petite de venir là. Est-ce que moi je t'ai donné autre commission? Mais faut pas aller dire ce qu'il n'est pas dit à la petite. La petite vient, il voit, il y a glace dans sa main. Grosse glace comme ça. Il dit, mais tu fais quoi avec glace? Elle me dit que non, toi tu lui as dit que moi j'aime qu'on met glace dans mes fesses. Ah petit. C'est mes fesses, toi, tu veux mettre au frère dans Abidjan, là. Il t'a fait quoi? Tu as me donné colopathie comme ça, mon jeune, comme ça? Grosse glace, comme ça, on dirait brique. Attends, c'est mes fesses qui sont devenues petites.